Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit haul action. Donc je viens d'aller chez Action, on se retrouve avec ma nouvelle couleur de cheveux. Oui, c'est de nouveau du bleu, je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo. Avec une tête de guenuche, pas possible. Je devais vous filmer un make-up, mais ça sera pour tantôt ou pour demain, je ne sais pas. Bref, c'est la vidéo de vendredi. Là, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc, comme d'hab, je prends comme ça vient, je vous affiche les prix, et voilà. Alors, on a repris 3 planches à découper. Passionnant. Voilà, en plastique. Je préfère celle en plastique qu'en bois. Elle s'abîme moins vite, surtout quand, comme on les met au lave-vaisselle. Ça tient mieux. Le bois à la longue qui gondole, donc c'est extrêmement chiant. Chérie s'est repris une souris pour son ordinateur pour quand il geek. Et il a fait attention cette fois-ci à mes nerfs. Ah non, c'est pas une silencieuse. Pourtant il a vérifié, mais c'est pas une silencieuse du tout. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais voilà, elle a l'air pas mal. Moi c'est une pour Camille, on prend toujours les souris chez Action, elles sont vraiment pas bien chères et elles tiennent bien. Alors je cherchais absolument des jouets en bois ou en osier et tout ça pour les chichous, puisqu'ils m'ont décapité la souris que j'ai mis, mais ça vous verrez demain dans le vlog. Mais j'ai trouvé que ça. Alors c'est pas du tout en osier, je pense que les plumes je vais les enlever parce qu'ils vont les bouffer. Mais voilà, ça c'est en tissu, donc ils peuvent s'amuser à tirer dessus comme ils veulent. Je vais essayer de mettre un petit élastique pour qu'ils puissent tirer dessus. Ils aiment beaucoup ça. Dans la cage, c'est un peu gros pour mettre dans la cage, mais bon, ça leur plaira. Il y avait plusieurs modèles. Normalement, c'est des jouets pour chat, hein, mais limite, mon chat, j'aurais même pas. Si, avec cette partie-là, mon chat va s'éclater. Donc, ça fera d'une pierre deux coups, ça fera des jouets pour les deux. D'ailleurs, tout à l'heure, le chat jouait avec quelque chose de complètement invisible que lui seul voyait. Chérie s'est repris des graines de tournesol. Je crois que c'est des pas salés. Je ne sais plus. Il me semble que c'est des natures. Comme ça, ils partagent avec les chichous. Et vous avez dedans 275 grammes. Voilà, c'est des décortiqués. Il a découvert ça avec les chichous et il adore ça. Alors, j'en ai pris deux, mais j'en trouve qu'un. Les friandises qu'ils adorent, sauf que c'est des bâtonnets assez longs, donc il faut que Chéri les coupe en deux à chaque fois, parce que sinon, ils mangent que la moitié et ils les jettent. Alors comme ça, ça dure plus longtemps. Mais j'en ai quand même pris deux, parce que j'ai plus énormément de friandises. Il y a que les pissenlits repoussent, donc on est en train de leur refaire une réserve de pissenlits séchés. J'ai pris des cotons démaquillants, parce que voilà, je les prends toujours là-bas. J'ai pris les grands, donc là, il y en a 50. Voilà, ovale, et les petits, il y en a 80, voilà, la base, quoi. Alors, j'ai repris un truc comme ça, c'est des allumes-gaz, logiquement, mais moi je m'en sers, ou allume-bougie, moi je m'en sers pour allumer mes clopes quand je reste à la maison, et comme je reste tout le temps à la maison, ben, voilà. Et je m'en sers aussi pour allumer mes bougies, quand je vais allumer une bougie, voilà, simplement. Et je trouve ça pratique, sauf qu'à la longue, il ne se recharge plus, donc il faut quand même de temps en temps en racheter un. On a pris le truc le plus important du monde, le papier d'alu. Voilà. On s'en fout. Hein. C'est un haul. Je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, j'ai racheté, enfin, c'est Chéri qui a été recherché, des cuillères pour quand je vais ouvrir mes colis. Voilà. Parce que le mien, il tire vraiment la gueule. Et là, en plus, il y a les lames en plus. Il y a 3 cutters différents et les lames en plus. Donc, franchement, c'est bien. Il y a 26 lames. Enfin, c'est marqué 26 pièces, donc je sais pas si les cutters comptent aussi, mais bon, il y a une vingtaine de lames, je pense. Ouais, parce que là, ça fait 1, 2, 3, plus la lame, ça fait 4, 5, 6, donc à mon avis, il y a 10 lames de chaque. C'est très bien. Oui, c'est noté juste derrière. Apprends à lire, copote. Une boîte de mouchoirs en papier. Voilà, ça aussi, très important. J'ai repris deux trucs de friandises Perfection avec de la taurine pour le chat. Voilà, puisque la taurine c'est un stimulant et du coup, comme il est un peu flagada ces derniers temps, hein, comme je vous ai dit dans mon haul la dernière fois, là, qui perd un peu l'équilibre et tout ça, ça lui fait du bien quand je lui en donne. Voilà, je lui en ai donné ce matin et après il joue avec son truc invisible là.
J'hésitais entre appeler le vétérinaire et les SOS fantômes. Je vais quand même essayer de garder la beauté pour la fin. Chéri, j'ai pris un déo. Voilà, il prend toujours soit Axe, soit Adidas à chaque fois qu'on va chez Action. Donc là, c'est le déo body spray 48 heures, enduring fragrance, sans alu, salts. Dynamic Pulse, cool and woody. Alors, il achète toujours plein de trucs comme ça au printemps et il les plante jamais. Des graines. Là, il a pris des sweet peppers. Voilà, des paprikas. Enfin, des paprikas, oui, profond, voilà. Mais il les plante jamais. Hein. Ou alors, quand il les plante, le chien va les déterrer. Alors, comme en ce moment, je suis en train de perdre beaucoup trop de poids par rapport à ce que je dois, j'ai pris des stickers. Voilà, un paquet de 10. Hein. Bon, après, je ne vais pas les manger les 10, hein, mais voilà, j'avais envie de stickers. Et j'ai trouvé ça dans le truc de pack. C'est des finger biscuits, 14 pièces. Ça n'avait pas l'air dégueu. Voilà, ça me fait penser à ceux qu'il y a dans les de l'acre, là. Vous savez que vous avez le chocolat au-dessus et en dessous, là. J'adore. Alors, qu'est-ce qui n'est pas beauté ? Oh, chérie a acheté des vis et des équerres pour me faire mes étagères dans mon armoire de la cuisine. Donc, il a pris 3 fois 3 équerres. Alors, je ne sais pas pourquoi ils vendent les équerres par 3. Elles font 6 sur 9 cm. C'est hyper beau. Et les vis, il y a 220 pièces de 40 mm. C'est des clous à l'intérieur. Voilà. Toujours un petit peu de bricolage aussi. Il s'est pris une boisson. Donc, il a pris un Monster Ultra Fiesta Mango. Voilà. Ça aussi. Il prend toujours une boisson quand on va chez Action pour boire dans la voiture. Mais là, il a oublié. Donc, elle est dedans. De la super glue. Voilà, la bison, elle est extra, si jamais. Parce qu'il y a deux sortes hein, chez eux. Mais la bison, franchement, très bonne marque de colle. Ça c'est beauté, ça c'est beauté. Ah, pour continuer à prendre du poids, j'ai pris des pop-corn suite. Voilà, il y a 3 fois 100 grammes dedans. Comme je trouve plus ceux de chez. Quand je vais chez Cora, j'ai pris ceux-là. Amy les aime beaucoup d'ailleurs, hein, je crois qu'elle les prend à chaque fois. Vous avez caramel, beurre salé ou en version salée aussi. J'ai juste pris des suites. Voilà. Si Georges me laisse un paquet, ça sera gentil. Et j'ai pris des pansements pour Enzo parce qu'il s'est blessé. Il y en avait un dedans et c'était vraiment pas cher. Il s'est coupé au travail. Donc il met un pansement tous les jours avant d'aller travailler pour protéger. Donc du coup, j'en ai repris. C'est pas perdu. Hein. Et le reste, c'est de la beauté. Alors, j'ai repris du backup. J'en ai pris qu'un. De mon eau de rose. Parce que je crois qu'il m'en reste encore un ou deux là en backup. Et comme elle y est régulièrement, je les prends que par un quand c'est pas urgent. Et un de du tonic Refreshing Face Toner de Alvira. Voilà, je l'adore. Je viens d'entamer le dessus que j'avais en stock. Mais comme c'est un gros format, il fait 400 ml, je crois. Ouais, c'est ça. Bah du coup, une fois que j'en entends un, j'en rachète un. Voilà. J'ai pris un masque pour les cheveux. Donc c'est Smoothing et Goji Berry Air Mask. 95% d'ingrédients naturels origine. Donc c'est un 3 en 1. Hein. Il fait conditionneur, un masque à raser ou un en crème de finition. Moi j'ai juste pris pour faire dégorger ma colo quand j'irai chez Amy pour qu'elle me refasse mes cheveux. Voilà, on va quand même le sentir. Un opercule en plastique. Ils sont bons. Ouais, ils sont super bons. Ils sont bien frais. Donc voilà, j'utiliserai ça pour faire plusieurs masques à laisser poser un bon moment pour faire dégorger au maximum. Sinon, je vais me faire engueuler. J'ai trouvé, enfin, j'avais trouvé que le masque, le shampoing et gel douche à la banane. Voilà, j'adore les collections comme ça qui arrivent chez Action. Je les adore, franchement.
Que ce soit le curl, le pumpkin, j'adore. Ah, oh, ça, c'est un pompon. C'est chérie qui a trouvé le gel douche. Il me dit, regarde, il y a le gel douche. Shampoing, c'était le dernier. Ouh, je l'ai vite mis dans mon panier. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, je vais bientôt avoir fini le shampoing The Body Shop que Nico m'avait envoyé à la banane. Je vais utiliser celui-là juste après. Alors, les trois derniers petits soins, je vous ai dit, je crois que c'est dans mon Old Boozy Shop, donc je vous le remets en barre une fois, que j'avais beaucoup de sérum et de contour des yeux, mais que j'avais plus de crème hydratante. Voilà, à part celle à la banane de chez Essence que je viens de racheter. Donc du coup, j'en ai pris deux. J'aime bien acheter les produits chez eux, hein, franchement, ça ne me dérange pas. J'ai pris une de la gamme Alvira, puisque j'aime beaucoup cette marque. Sensitive Face Cream, donc crème visage sensitive pour tout type de peau. Donc ça doit être un format 50 ml. Oui. C'est vegan, je viens de voir. Donc elle se présente comme ça dans le truc. Testée dermatologiquement. Et ce qu'ils disent, crème visage pour tout type de peau, y compris les peaux sensibles, au beurre de karité, à l'huile d'avocat et à l'huile d'amande douce. Appliquée matin et soir sur le visage nettoyé pour une utilisation quotidienne. Donc ça, c'est génial. Bon, ça, on n'en a plus besoin. Voilà comment est-ce qu'elle se présente. Donc, je vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'en ai pas besoin. Je viens d'ouvrir celle à la banane. Donc, ça va dans le backup. J'ai également pris, pour pas utiliser que des crèmes hydratantes, hein, il me faut un petit peu quand même du truc anti-âge, hein, parce que mamie, elle se fait vieille. Donc, j'ai pris de chez Delia Cosmetics. Donc, c'est nouveau, je n'avais jamais vu. Rétinol thérapie pour tout type de peau. Avec de l'acide hyaluronique et du rétinol firming et nourishing crème de jour 50 ml. Donc c'est en pot, on peut pas tout avoir, hein. J'ai dû faire avec ce qu'il y avait, mais il me fallait vraiment une crème retentrice de peau. La vache, je vais bien fermer. Le pot, il est réquiti par rapport à la boîte, hein. Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc ça, je vous en dirai des nouvelles quand je testerai. Hein. Là, je ne vais pas les ouvrir, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Et pour terminer sur les conseils, je crois que c'est Mimi, pas Mimi la folle, hein, Mimi Myriam. Mimi Myriam. J'ai pris le Sleep Night Overnight Mask Clean Beauty by Alvira. Donc c'est un masque de nuit. Elle m'a dit, essaye, il est génial. Donc bah, je l'ai trouvé, je vais les prendre. Alors, c'est à base de lavande, parce que je lui ai dit, oui, c'est pas la lavande, elle m'a dit, ouais, mais moi non plus, mais il sent pas trop. Ouais. Il y a de la lavande et de la camomille. Alors, attendez, parce que je cherche le franquet. Et ça n'a pas l'air d'être écrit en franquet. Ah, ils disent de l'utiliser que 2-3 fois par jour, pas besoin de le rincer, éviter le contact avec les yeux. L'arrêter si jamais vous avez des irritations, comme tout, pour tout type de peau. Je vous le traduis de l'anglais parce que je ne trouve pas le franquet. Ah si, j'ai trouvé. Masque de nuit à l'huile de lavande, appliqué sur une peau propre et sèche et laissé reposer toute la nuit. Enlever tout l'excès du produit avec un mouchoir ou tapoter le résidu sur la peau, ne pas rincer, utiliser 2-3 fois par semaine, éviter le contact avec les... voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc ça, je pense que je vais quand même le tester ce soir. Franchement, Alvira, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup chez Action. Et je trouve que les packagings sont sympas aussi. Il y a le masque de jour aussi, mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne mets pas de masque de jour. Ah, ça va. Ah ouais, franchement, ils sentent pas trop la lavande. Hein. Si vous aimez pas la lavande, c'est un format 50 ml aussi. Oh, la texture est bizarre. Il en faut peu pour être heureux. Oh, franchement, ça va. Ouais, ça a l'air agréable. Écoutez, je vais tester ça ce soir. Je vous en dirai plus dans le vlog. Pas celui de demain, puisqu'il est déjà clôturé. Et je l'ai clôturé jeudi, d'ailleurs. Mais dans le prochain. Donc voilà, ça conclut mes petits achats Action. J'ai été sage.
J'ai été sage. On y allait pour trouver une gamelle en plastique pour le chat de base. Et j'en ai pas trouvé. Voilà. Faut que j'aille fouiller dans ma caisse tupperware pour ça. Mais... bref, c'est pas le sujet. On s'en fout. Donc voilà ce qui conclut mon petit haul. N'hésitez pas, enfin n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain avec le weekly vlog. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.